1111, 1011, 1111, etc. D'accord. Ouais, je suis un fanat de chiffre 1. C'est comme ça. Bon, c'était Final Fantasy Oui, Remake, donc pardon, vous avez merci Fabien qui à finit son Bastos direct. et Dilocine d'avoir fait les guides et de m'avoir Voilà, supporté. donc, Je vous hop remercie. là. Moi, je vais pas tarder à lancer ma course. Je les salue. Allez, go! Alors, me concernant, pour rien vous cacher, en fait, j'ai la SS2 en fait, optimisée. Il n'y a que comme ça en fait qu'on peut gagner le championnat. Alors, comment dire? J'ai vachement bien optimisé ma Lotus Esprit. Elle est relativement limitée, il faut bien l'avouer. Mais pour. Enfin, je la ressortirai de 2015. Ah, je suis dans le trafic. Mais sauf que là, j'en peux plus rien en fait. Ah, pardon, je fais n'importe quoi parce que je mets un réglage son en même temps. Heureux, il est libre de faire ce qu'il veut, le fan. Il n'est pas obligé de faire le chenching. Oui, mais c'est pas grave ça. Chacun fait ce qui lui plaît. En même temps, je t'avouerai que ce que je diffuse, moi, évidemment, ça me plaît. Mais je comprends parfaitement que ce soit barbant. Le fait que du matin au soir, je sois sur du bon boom, mais moi, j'adore ça. Allez, voilà. Oui, si j'ai bien vu, il a fait le relais de chaîne à Christella. Mais c'est bien. Il faut donner du soutien à Christella, elle est adorable. Je vais retirer mes oreillettes parce que j'en ai plus besoin. Attends, je te lirai dans les. Non, je pourrais, mon pauvre. Excuse-moi. C'est très difficile et de piloter et de lire les SMS, là, on va dire. Enfin, je pourrais jeter un coup d'œil à ton message dès que je serai dans la ligne droite. C'est vrai que ça n'a rien à voir au niveau de l'île. Terrible, là, c'est cette ligne. Alors, j'en connais juste 500 jours sur Forza qui est sorti il y a 3 mois, une drogue. Ouais, mais c'est bien, c'est du compliqué. T'inquiète, je comprends, un jeu de caisse, c'est quoi possible? Merde, je vous l'ai dit.
regarder mon père. C'est bon, mais... Ah oui, c'est reparti déjà pour des courses, oui, ben. Bon, là, je prends le risque parce que j'ai pas besoin d'être super concentré, j'ai une bagnole extraordinaire. D'ailleurs, je vous cacherai pas que je suis même un poil déçu de voir que Christella n'a pas plus d'audience. Vraiment, elle mérite à être davantage connue. Parce qu'elle varie bien ses jeux. Et de la marque, voilà. Ceux qui la connaissent, on fait le plein de bonne humeur en sa compagnie. Voilà, c'est la fameuse ZZ2 là, celle qui me bat tout le temps dans ce championnat, hein, c'est le championnat de voiture de rêve intermédiaire de Honda. Là j'ai pris la mienne en version DP. Du coup je me promène les deux dans le monde. Enfin bon. Voilà, moi je me remets une interface normale. Passage, je vais faire une bêtise. Je suis en train de faire une bêtise. Pas d'ailleurs, je peux remettre ma zip. Tic en arrière quoi. J'avais oublié. Ouais, ben. Et puis le sage, je vais lui faire un peu. Oui, en plus, ça c'est vrai. Excusez-moi, j'ai une démangeaison dans le dos. Ah mon dieu. Allez, où la suite? Alors, oui, il est carrément monstrueux que j'enchaîne les courses. La couperie est bien. Et alors, celle-là, il y aura le fameux grand oval. Elle est belle en gros parce qu'elle me ferait presque penser à la Koenigsegg, la suédoise, la transportive, qui est comme ça.
Alors la course suivante, c'est la seule où je pourrais piloter et papoter avec vous simultanément. Puisque ça va être le grand oval de vitesse, ça va être plus la praline hein, pour ceux qui connaissent. Oula, ça m'a fait peur. Comment qu'il a déboîté? Je ne l'ai pas vu venir. T'as l'effet de surprise garanti. Ça mesure des bombes, là ça va être un peu sévère sur la fin. Donc je vais m'y accommoder. Mon évier va repousser comme ça. Je vais mettre là. Je vais mettre là ou pas. Ah, je reprends les Sonic. Je suis en train de bouillir. J'ai quasiment à découvrir le 3 et le 4 que j'ai acheté, j'ai jamais fait.
Oui, Sonic Mania, tu m'en avais déjà parlé. Mais je sais plus, BioShock, il y a des bugs. Mais je sais plus c'est quoi, c'est la version console ou c'est la version PC qui bug. Je vais tenter de dire que c'est la version PC qui bug. C'est très frustrant. Je sais plus, il y a un diffuseur que je suis plus ou moins régulièrement, je sais plus lequel, qui voulait se lancer dans BioShock. Mais il a fini par rager au bout de 4-5 heures de jeu parce que ça crachait. Et je crois qu'il y avait corruption de sauvegarde, bref, tu recommences depuis le début, le truc ingérable. Mais sinon, je sais que c'est très romancé, c'est bien, c'est un univers bien pensé, bien sûr. Ouais, là, t'as les 3 pour 0 euros, bon, bah, tu m'étonnes. Tiens, d'ailleurs, je suis en train de me dire, j'ai pas refait le test, tu sais, du jeu dont tu m'as parlé tout à l'heure. Le Bomber Crew. Quand je la retente, ajouter au panier, enfin au compte. Non, une erreur est survenue lors du traitement de votre requête. Un problème est survenu lors de l'ajout de ce produit à votre compte Steam. Bref. J'ai bugué! Allez, zoom, on va se faire plaisir avec le val de vitesse. Alors, je vais prendre le risque de changer la répartition dans le 4 roues motrices. Ouais. À l'avant pour voir. Et là, je vais exagérément faire large. Peut-être, je pense que c'est une bonne chose. Allez, soyons fous. J'avais parlé de mes encens à la lavande dernièrement. Je viens de m'en faire recramer un et celui-là il était plus gros, plus lumineux que les autres dans le lot. Et là je dois reconnaître que ça sent un peu la lavande. Ouais, ça prend, je pensais à ce qu'elle monte plus la ZZD. Ah ouais, j'aurais dû foutre le curseur à fond. Peut-être pas 400, mais j'aurais pensé atteindre au moins les 380, mais là ça va pas être le cas. Bon, apparemment je suis à l'abri de me faire dépasser, mais... Ouais, l'idée d'avoir foutu le différentiel vers l'avant était pas une bonne idée. Avec Jardine à 25 comme précédemment. Je me vois au milieu des gommes. C'est déséquilibré par rapport à l'arrière. Stand, tiens, exceptionnellement dans cette vague là. Je sais même pas honnêtement si j'ai les bonnes mesures. J'ai peut-être des intermédiaires, j'ai pas vérifié.
intéressant ce que vous dites. Putain, j'ai changé des couilles. On l'arrive dans les stands tant que possible. Je l'ai payé 0€ il y a 6 mois. La trilogie Remaster, elle est souvent en promo. Eh bien. Alors la prochaine course va être la fameuse route 11 là, un tracé urbain nocturne à Tokyo. Pas à Tokyo. Ce qui fait penser à une mégalopole japonaise, mais ça va pas être évident. Parce que genre, je suis en souffrance un peu comme l'autre, l'américain là.
Et voilà. Aïe aïe aïe. Ce serait la Honda S2000 qui finirait le zone. Sur les 25% de différentiel là, au niveau du châssis, mais pas de continuer. Donc j'ai un petit peu. Déjà revenir à un étalonnage de boîte de vitesse plus conventionnel et la répartition. Oui, pourquoi pas. Soyons fous. Je réfléchis. Si j'ai le train de pneus avant qui se consomme un peu, enfin qui se consomme pardon, un peu plus vite que l'arrière, éventuellement jouer sur les freinages, je prends un risque. J'avais pas des réglages déjà. La ZZ2, sérieusement, j'avais pas de. Oh. Le temps qu'il relisse tout, j'ai envie de dire, je peux m'en refaire là des. Ouais, non, attends. C'est là où c'est mal foutu. Il aurait fallu qu'il me mette en avant le. La voiture en question, mais bon, bref. Pardon. Ouais, la fameuse route 11. Pour se la coltiner. C'est dingue, la musique là, j'ai l'impression de l'entendre une musique d'habillage de Deus Ex. Une musique de niveau, d'atmosphère. Deus Ex, voilà.
Oula. Oh oh oh. C'est pas joli, joli. Ça a l'air d'être mieux, ma gestion de l'usure de pneus. Le fait que j'ai desserré les mâchoires des disques de frein à l'avant, ça, alors certes, ça freine moins l'avant, mais ça use moins les pneus. La possibilité de faire des plats, mais on le prend les roues, parce que sinon, ça fait au-dessus des barres des gommes, en général de leur finale. L'inspiration m'a rien donné. Là, je prends le risque de garder mon train de feu, même si sur la fâche on est en orange. Ça va, on est déjà des pneus. Ça aurait pu être pire.
Aïe. Du coup, par curiosité, l'écart est de combien? Ah oui, 22 000. Ça va? Aïe. Ah oui mince, j'ai pas recoupé le son de mon Discord, ça va rendre fou Elodie. Je vais couper tout de suite le son de mon Discord. Oui merci. Oui mais là franchement je me promène quoi. Donc il y a la ZZ2 là de Tommy Kaira, qui est par défaut elle est à 550 chevaux je crois, ou 500 chevaux, et moi c'est ma version à moi, évidemment je l'ai gonflée, elle est quasiment à 900 chevaux, donc je me promène à côté quoi. Mais ce qui est terrible, c'est qu'il y a le côté oserais-je dire discriminatoire, dans le sens que, tiens d'ailleurs je vais regarder quel pneu j'ai sur moi, que si tu prends pas la machine là tu peux difficilement gagner. J'ai fait des tests pendant que tu étais sur ta chaîne FunFan, là, hors antenne de mon côté, moi, en essai libre, comme on dit. J'ai essayé. Alors, j'ai bien optimisé ma fameuse tuture de ce matin qui était la Lotus Esprit, mais j'ai pris la voiture de compète pour le V8 Supercar, le Grand Tourisme australien, qui est la Ford Holden. Là. Non, je confonds. L'Holden Commodore et la Ford. C'est pas la Taurus, je sais plus. Mince, bref. Celle de compète avec les calcomanies du championnat de Grand Tourisme australien. Et tout ça pour dire que. Alors, j'étais deuxième, mais j'étais pas premier. La première, c'était la ZZ2, quoi. Ah, c'est terrible. Ah, j'ai des pneus moyens. J'ai pas mis les très durs. D'accord. Là, je vais peut-être mettre les traits durs, là, pour le coup. Parce que, comme c'est 7 tours, si j'évite de rentrer au stand, pour moi, c'est tout bénef. Je vais éclater la concurrence. Voilà, on l'a vu en bas de l'écran, là, quand je sortais des réglages, je suis gonflé à 910 chevaux. Alors, c'est une 4 roues motrices. Mais là où j'avais 1017 chevaux et qui était ma Lotus Esprit ce matin, bon bah c'était une traction avant et c'est pas pareil, elle n'avait pas optimisé course, alors le problème c'est qu'elle avait une moins bonne adhérence et je partais souvent en dérapage incontrôlé avec elle. Mais elle a un énorme potentiel, hein, Lotus Esprit. Là, on voit que je passe la chicane beaucoup plus difficilement. Ce matin, souvent, je me rendais dans l'air. J'avais vraiment pas du tout la même adhérence. Alors qu'elles ont une puissance quasiment qui est. C'est ça qui est dingue.
dragon. L'aspiration ça m'arrange pas parce que je suis arrivé trop vite. Du coup mon freinage était beaucoup plus impressionnant. Et là j'ai bloqué les roues. Donc j'ai bêtement consommé une gomme. Alors que je peux bien le préserver si je ne vous mets pas un peu au stand au bout de cette couleur. C'était pas prudent de ma part. Je vais le doubler, puis du coup, j'étais en ligne, quoi. Très bien. Un passage plus du virage, je m'ai quasiment marqué à l'arrêt en pilant au milieu, je suis reparti, c'est n'importe quoi. Voilà, là c'est un freinage, une trajectoire maîtrisée. Là je peux pas fumer mes gommes bêtement. Là je peux même dégager encore mes pneus sur la bonne température. C'est vrai bien. Là j'ai la température optimale pour la mi-course, c'est pas bien. Là je peux m'envoler et poser les pas.
Encore deux tours. Les gommes tiennent bien, donc c'est bien. Je ne suis pas en difficulté dans le même, je pense pas. C'est vrai, presque 16. Ah, j'ai du mal à faire des parts quand même. Un petit peu large. Ça va, c'est sans conséquence. Je suis vraiment surpris d'avoir gardé les gommes encore vertes pour l'arrière. La vache, la régularité au chrono, j'étais au centième près, non, millième près, c'est même pire que ça, au millième près. It's a...
Ah bah ça y est, j'ai enfin remporté le championnat. Oserais-je dire, il était temps. Bah, j'ai remporté les 7 courses, j'ai 70 points, je rafle la mise totale. Et l'autre derrière, il est deuxième. Hein. Oh, la vache. Alors la question est, je devrais avoir un beau bolide en récompense. C'est pas un petit championnat. Tadam. Allez, pioche parmi 4 bagnoles ou c'en est unique. Avec la bike crew. Ils sont beaux les trophées dans le 3, je trouve. Je préfère comme quand c'est l'assiette. C'est bête, hein, mais l'assiette en trophée, j'adore. Alors, 4 bagnoles au pif. Ah ouais. Donc ça vaut le coup de leur jouer pour débloquer les 3 autres. Toyota Supra? Non. Non, Mazda, mais non, c'est une Mazda, je suis bête. C'est. Mais non, c'est la RX7 en vert. Ou peut-être la 8 d'ailleurs. Tiens, je m'interroge. C'est pas la Mazda RX8 version course que j'aurais gagné. Ah, ça fait plaisir. Toute la lignée de coupe en or, ça fait plaisir. Tiens, d'ailleurs, avant que j'oublie, je vais changer l'huile de la tuture. Oui, moi je dis RX8. Ok, donc le sommet. Ah, c'est la 7. Merde, c'est pas la 8. Alors par défaut, elle monte à 570 chevaux. Ok. Juste pour voir rapidement si je veux l'optimiser, ça donne quoi? Non, c'est pas une atmosphérique, c'est une turbo. Elle passerait de. Ah, carrément à 1000 chevaux également. Ouais. Ouais, bah, pourquoi pas. Après, rapidement, j'ai rien à acheter. Comme c'est une version course, elle est déjà quasiment parfaite. Bon, il y a les trains de pneus évidemment dont il faut faire l'acquisition. Peut-être pas très tendre, j'ai pas spécialement intérêt. Train avant. Non, bah non, tout est acheté. Je repasse en vue à fond les ballons, hein, mais. Non, il n'y a rien à acheter, c'est vraiment la version top du top. Du coup, avec cette RX7, est-ce que je me lance dans autre chose? Oui, j'ai envie de dire. Il n'y avait pas le petit championnat. Ah non, c'est pas le petit championnat japonais. Si, celui-là, je n'avais pas gagné. Le gros championnat. À 10 courses, là, par contre. Ouah! Là, on est ensemble encore pendant 2 heures. Enfin, de toute façon, je suis encore à l'antenne pendant 3 heures, là, quasiment. Eh bah, ben, soyons fous. On va se lancer dedans. Puis je vais peaufiner petit à petit les réglages course après course. C'est l'idéal. C'est l'idéal. Alors, est-ce que je procède à des réglages? Putain, elle est basse. Hauteur de conduite, sans déconner, elle est vraiment basse. Attends, je la mets un centimètre au-dessus du sol, là, parce que... Pas 10 cm, pardon. Parce que sinon... Je vais laisser les trucs par défaut déjà. Pas par défaut, non, au contraire. Je vais faire mon réglage à moi. Un peu
Après, faut voir. Ce que je peux pas faire, ouais. Un peu plus court. La porte finale allongée. Ouais, pas trop quand même. Ouais, pas mal comme ça, ça me plaît bien. Je vais essayer de la prendre brute sans contrôle électronique, sans assistance électronique. Je suis un fou, mais je veux vraiment tester. Je vais sauvegarder les réglages, hop. Bon, celle-là, je suis certain de ne pas l'avoir. Test pas, peut-être. N'importe quoi. Allez, je sens que je vais me faire peur. Rien que de voir le compteur s'affoler, ça fait peur. Oh là là, il y a plein qui rentre dedans. Ah oui, alors sans assistance électronique, effectivement, elle patine les yeux. Ça va être sport. Ça roule. Ouais, non, mais elle est terrible. Sans assistance électronique, elle est redoutable. Voilà, tête à queue. Et bien qui va m'enquêter. On va l'utiliser. Ouais, il y a plusieurs choses qui vont pas. Elle patine beaucoup trop, surtout dans les premiers rapports. Donc l'accélération, il va falloir que je la tempère. Hors correction électronique.
Ouais, comment je fume les gommes. J'ai les gommes dures. Vache, l'arrière, franchement. Non, faut pas freiner dans l'herbe. Ça ne fait pas. L'accélération est complètement folle dans les trois premiers rapports. Quoi. Bonjour Adjet. Mais du coup, je suis mon curieux, comme t'es lycéen, t'as eu la chance de faire le pont ou pas? Oui, oui, Julien, merci, j'espère que toi aussi, Adjet. Mais du coup, dans ton bahut, t'as la chance de faire le pont ou pas?
Ah! Il m'a rentré dedans, le salopard. Ça aide pas du tout. Bon, c'est intéressant pour cette première course que je perds malheureusement, mais ça va, je suis dans le rythme. Pas mal de choses à faire. Et j'ai surtout le bon arrière qui s'use. Ok. Donc il va falloir que j'active l'assistance électronique. Et l'accélération elle est trop vive. Il faut vraiment que je régule le. Oui, yeah. Alors. C'est Rome. Je reconnais le tracé. L'accélération elle est complètement démente. Je vais la mettre à 10. Voilà, plus. L'accélération peut être intéressante. Donc, le moteur est déjà tellement. Un petit peu l'attraction, beaucoup plus. Si je mets à fond, on va voir, ce sera peut-être pas une mauvaise chose parce qu'elle est tellement en train de pétarader au départ que c'est un truc de fou. Moi j'ai plus d'appui à l'avant qu'à l'arrière, dis donc. J'ai déjà changé pas mal de paramètres, je verrai ça à la troisième course. Ouais, je vais écraser mes réglages. Wouh! Allez, c'est parti pour Rome. Les routes de Rome. Oh merde, si j'entre en collision, ça va pas le faire du tout. J'ai quand même une barrière qui dérape vachement. Je...
pas assez d'appui aérodynamique à l'arrière. Autre sur virage. Oh, et pourtant j'ai des gommes arrière qui se consomment. J'ai déjà. Pardon, excuse-moi, j'ai pas retenu ton slogan. Ça me semblait sympa, ça m'avait bien fait sourire. Mais c'est pas vrai. Je me fais gambanguer là. Ils m'ont tous tapé les uns derrière les autres pour bien m'encastrer dans la rambarde. Hallucinant. Comme ça, je suis passé de premier à dernier. Ça fait plaisir. Oui, ça peut être sévère, ouais. Oh, ouais. Mais je suis en train de découvrir mon bolide et de faire les réglages. Non, là, là je suis vraiment rentré dans la cour des grands parce que c'est des bolides optimisés pour la course. C'est des bolides pour les boutons économiques. Là. C'est plus la voiture de monsieur tout le monde de série. Ça, c'est bien derrière nous. Les... va le torturer avec la purée.
Bah c'est le parc qui fait plaisir. Je serais tenté de desserrer la pluie aérodynamique devant et en mettre plus à l'arrière. Pour déjà rééquilibrer au niveau de la charge des pneus et que j'ai une mesure à peu près égale sur les 4 pneus. J'ai du survirage, donc j'ai l'arrière qui chasse trop. Donc ça va dans ce sens. Il faut que j'inverse la balance au niveau des appuis aérodynamiques avant et arrière. Et je pourrais obtenir encore de meilleurs résultats. Ah oui, un bon hachis parmentier, ouais. Mais je m'écouterais le hachis parmentier par défaut si le jambon ou la viande avec de la purée gratinée. Il y a des moments où j'ajouterais bien les fines herbes, des oignons, et ça devient tout autre chose en fait. Ouais, c'était sympa, je vais sauvegarder le ralenti. La course était correcte, disputée on va dire. Elle aurait pu être plus belle parce que j'ai pas mal tapé au niveau des bordures, mais bon. Faut que je prenne mes repères et puis faut que je me défende parce que les salopios qui s'amusent à me rentrer dedans à tour de rôle, là c'est de l'anti-jeu. Oui, par principe, j'ai envie de par principe de garder. Non, il ne devrait pas y avoir de soucis. Je pense que comme ça, ça sera bien mieux. Bonjour Tomo, comment ça va?
Ouais, ça va? Ouais, bah non, ça va bien aussi. Tranquille, ok, après tout. Chier ce que je fais. Trop chier. Du coup, je m'énerve. Oh, le pauvre, je l'ai planté, je l'ai fait en plus. Merde, si je freine une roue dans l'herbe, ça va pas le faire du tout. On voit qu'avec mes réglages, j'ai inversé la tendance. J'ai l'arrière qui se consomme plus que l'avant. Le contraire de tout à l'heure. Donc je peux peaufiner pour avoir davantage en stabilité, ce qui est le cas. Et bien répartir la mesure des gommes sur les quatre poupées. Donc une info qui va t'intéresser, Tomouf. Au niveau de Need for Speed, tu étais enthousiaste à l'idée que je passe la saga Need for Speed. Je pourrais faire l'Underground 1 et 2, Underground 1 et 2, sur PC. Et j'ai le Most Wanted et le Carbon sur la PS2.
que je suis allé m'embourber à l'intérieur du village. Oui, merci pour l'info, Tomo, ouais, sur BioShock Connection. Ouais, c'est vrai que ça m'a plu. D'ailleurs, je vais re-essayer le jeu dont parlait Tulsen ce matin, le Bomber Crew sur Steam, qui est également gratos. Il fait ajouter au cours et ça ne marche pas. Ah, peut-être que je me déconnecte et que je me reconnecte. Je verrai ça en soirée. Je serai en train de commenter chez une femme une un petit ralenti en plus. Suite à ces reprises, quatrième course sur les 10, pour le grand championnat d'alpinisme japonais. Alors, je peaufine mes réglages, moi. J'appuie un peu plus sur la... Ouais, je vais garder la même répartition de freinage. Voilà, comme ça, elle est bien. Je pense qu'on peut dire optimiser maintenant les plus tests. D'ailleurs, je suis bête, mais non. Attends, je fais des bêtises. Non. Je vais prendre test et je vais écraser. Et je vais renommer en optimisé. Voilà, c'est ça que je passe. Optimisé. Voilà. Nickel. Là, c'est du bon boulot. Donc on aborde la quatrième course sur 10. Au ralenti de la cinquième, on commencera à mi-championnat. Je vous laisserai le ralenti. Moi, ça me fera une petite pause. J'irai aux toilettes, non, rafraîchir la tronche. Histoire de garder bien la concentration, la pêche. Là, je suis bien fond dedans. Et puis, voilà, évidemment, n'hésitez pas à déposer vos messages dans les chats. Ok, c'est la petite route 5. Ok, alors elle est belle avec tous ces phares.
faire des pneus à froid, ça va bien. Bon, c'est la Supra qui est là. La réducteur du coup est la Supra. Oula, 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 oula. Il a été parti en dérapage incontrôlé. Là. Même la Denise. Voilà, c'est le premier grand premier que je peux faire. Et encore, j'arrive à taper le mur en face. Thank you.
faire le petit tour et puis s'envoie. Le temps que je m'adapte, c'est que la première course en fait que j'ai lamentablement planté où je finis dernier. Sous tout le reste, j'arrive à finir premier maintenant. J'attends que j'ai bien paramétré la tuture. Ah bah, la Gonaseka. On y retourne. On l'a raté souvent en ce moment, la Gonaseka. Thank you.
Chevrolet va finir sa troisième sur le podium. Mais c'est vrai que là c'était plus viril. Donc, un petit passage pour moi aux toilettes. Je vais me rafraîchir la tronche. Ça va me permettre de bouger un peu. Je vous laisse avec le ralenti là. Et je reviens vers vous pour la suite, la deuxième partie du championnat, le niveau des 5 autres courses. Ah, ouais. C'est très disputé. Enfin, en dehors de moi, il y a la baston entre la Supra et la Supra GT. Aïe aïe aïe. Voilà, je reviens dans 2-3 minutes, à tout de suite. Hop là, attention, je pèse différemment. Ouais, ça fait du bien. Oula, comment j'ai tapé du moment.
Oui, c'est ça, bien vu le gear. C'est cette belle bête que tu vois à l'écran. Course après course, je suis en train de peaufiner au niveau des réglages. J'ai une usure des pneus, des trains arrière encore trop prononcée. Alors qu'au début, quand il était fourni brut, avec ses réglages d'usine, c'était le contraire, c'était le train avant qui se consommait trop. Mais il fallait que je stabilise l'arrière parce que j'avais du survirage. Et maintenant, ça appuie trop à l'arrière. Il faut que je rééquilibre la balance pour essayer de répartir vraiment bien sur les quatre roues. J'en suis pas loin. Je peaufine à chaque course un petit peu les réglages. Et puis, à la fin du championnat, à mon avis, elle sera tip-top réglée comme il faut. Non, non, elle est très agréable à piloter là. Une bonne surprise. Allez Zou, je suis prêt pour la suite. C'est le petit ovale. Je pense pas que j'ai besoin de changer les rapports de boîte de vitesse. Ouais, 10 tours. Ah, je sais pas si tu connais la commande chez moi, Eloguir. Point d'exclamation GT. Si tu veux devoir attribuer au hasard une voiture de Gran Turismo. Donc à la base, j'avais les modèles de la liste en fait. Gran Turismo 4 et j'ai rajouté Gran Turismo 5 hier. Donc quand Frobo sera de retour la semaine prochaine, il verra qu'il peut avoir une Ferrari dans le dos. Mais la prochaine liste que j'injecte, ce sera les concept cars. Ce sera sympa. Ça me pousse plutôt gêné.
comme il y avait un bon nombre de zébras dans cette hypnotique. Ah mon Dieu. Il reste 4 courses, hein, 7, 8, 9 et 10 quand même. Hop là. Ouais, j'essaie de bien piloter évidemment. Bon là, il faut dire aussi le tracé cyclable. Plus difficilement, tu sais, de t'appuyer sur les barrières là, comme il y a de la marge et de l'air, de la cassade. Merci de la marque, ça fait plaisir. Tiens, je vous le dis pour que je demande à l'intérieur. Thank you.
là. J'adore la musique. Aérophone. Et puis c'est vrai qu'on voit dans le chrono la régularité de l'épreuve. D'ailleurs c'était rigolo, j'avais fait une différence sur un cours de 1 millième de seconde. L'arrière qui chasse hein. Mais c'est beaucoup mieux que le réglage de base. Hop là, je me déboîte juste sur la fin. Tellement drôle. Et plaisant. Tiens. Ah oui, non, j'ai eu peur. J'ai cru qu'il y avait une erreur de pilotage de l'intelligence artificielle. J'ai momentanément confondu bidon et gravier. J'ai cru que ma tuture était hors piste. Une fois que l'intelligence artificielle avait repris les commandes. Ça remue un peu les points là. Une fois que j'ai pas le Toyota Supra qui me colle au basque. Voilà. Putain, c'est bien d'être sur. Comme plus les chemises, hein, les Toyota Supra. Elles sont chacune à un point d'écart. Ça, ça n'a pas bougé. Oh, merci pour le GG. Mais ouais, la course était sympa, là je pense que je vais garder le ralenti. Reste 3 courses avant de remporter le championnat et d'avoir un nouveau bolide. Commencer à m'éclairer la tronche là, histoire de rééquilibrer à l'image là, que vous puissiez me voir. Puis j'adapterai au fur et à mesure que la lumière déclinera.
Ça qui. Bon, bref, la suite. Ouais, c'est vrai, les courses là sont joliment disputées, avec l'avantage que je les remporte. Oula, on va le speedway ça. Libou crashy. Si petit mon kiki, approchez-vous, ça va de côté. Pas que j'oublie que je commence les playoffs quoi. Je suis pas dans la dynamique de certaines courses précédentes. On est ultra fort depuis la côté de moi. Ça dérape, ça dérape. Voyez là, on le voit nettement que j'ai le train arrière qui chauffe plus rapidement que l'avant. Tellement serré que de négocier le premier appel, c'est pas mieux. Oula, merde, j'ai tout coupé. J'ai perdu mon repère.
Ouais, tu viens de prendre le tien, ouais, bah, je vais reprendre l'essai pour la ralentir. Le bumble cruise. Merde, j'ai pris trop tard. Mais non, j'ai perdu 3-4 secondes. Bon app, Fafa. Ouais, bon appétit si vous passez à toi. Merde, pardon. Tiens, mon dernier tour était meilleur, pourtant je me suis trouvé brouillon. Mmh. Il y a le rondel aussi, ce qui est passé devant le premier pas super intéressant ça. Tiens.
ce qui fait qu'au championnat. Il reste deux courses, hein, je crois, la 9 et la 10. Est-ce que je garde le ralenti? Oui, ça peut être sympa. Toujours cette prix. Avec cette musique psychédélique. C'est ça, avant-dernière course du championnat. Ah. La redoutable et redoutée route 11. Là. Attends des réglages. J'essaie de subtilement changer le... Je vais prendre un peu moins à l'arrière. Est-ce que je vais modifier la... Alors là, tu me poses une colle... Attends, tu me poses une colle, mon pauvre Vélogear. Pour cette carrière-là, il faudra regarder mes stats dans mon garage en fin de championnat. Par contre, cumulé depuis toute ma vie, c'est pas la première fois que je joue à Gran Turismo 3. Et j'avais déjà fait une carrière complète au volant pédalier où j'avais tout débloqué. Donc, tout cumulé, je dois en être à 1000 heures. Que ça me surprendrait même pas. Rappelle-le-moi quand je sors du championnat, là c'est l'avant-dernière course. Dans vers 20h et des brouettes. Que je retourne dans le garage et je te montrerai mes stats de la carrière actuelle. Là, je me demande comment on va réagir sur des pneus avec le fait que j'ai légèrement changé ma gestion de freinage. Ah oui, oui bah, tu penses bien que ça passe crème avec la chance d'avoir un volant pédalier. Hein. Ça sert à rien. Là. C'est con, mais quand j'avais mes 30 ans, là, si je dis pas de bêtises, non, c'est ça, je dis pas de bêtises, j'ai passé mes journées, quoi, du matin au soir. C'est juste que je ne préoccupais pas Twitch. Et encore à l'époque, je sais pas, il y avait l'embryonnaire Justine TV, l'ancêtre de Twitch qui existait, mais à peine. Mais non, du matin au soir, je faisais ça. J'ai pleuré de faire des longues sessions de pilotage et de courses d'endurance. La plus longue et la plus intense course d'endurance que j'ai faite au volant, c'était sous Toka 3. Non, attends, je sais plus. Si, Toka 3. J'avais piloté une 350Z de Nissan en Australie, dans le passé urbain d'Australie, qui est Surfer Paradise. Et la course avait duré 3 heures et demie. J'étais sorti de là, j'étais cassé mais heureux, quoi. C'est-à-dire que j'avais mal au bras à tenir le volant à double retour de force. Merde!
Évidemment, poussé par le petit copain, ça aide le dérapage. Chut. Ouah, c'était intense, c'était génial. Ça y est, du coup, je suis cassé, je suis plus dans le club. Un Toka, c'est extra. Excellent simulateur, surtout le 3. Parce qu'il respecte bien les règles. T'as pas le droit de sortir de piste, t'as pas le droit de tamponner, sinon t'es sanctionné par les commissaires de course. Excellent. Avec une excellente gestion des drapeaux. Et le côté pluridisciplinaire. Donc il fait plein de championnats différents de course automobile. Ce Toka, c'est une référence. Surtout le 3, il faudra que je le refasse sur une montagne. Bon, là, j'essaie de me concentrer. Ah, les chiantes, elle m'a repoussé en dérapage. Restons zen, soyons zen comme le chanteur Zazie. Ou accélérer, je sais plus. Non, c'est Zazie. Mais non, c'est Zazie qui chante zen, soyons zen. Tiens, restons zen.
On voit quand même que l'intelligence artificielle se sert du décor, hein. Ça tape. Hein. Très difficile que d'avoir des trajectoires propres. Ah bah finalement même là je gagne. Bon bah ça fait plaisir. Quand je lâche, je suis en difficulté sur ce tracé là. Ça va, c'est que je suis en vraiment bon état d'esprit de pilote, concentré bien. Moi je suis content de vous montrer un peu de la performance. Et la bagnole et le pilote. Ah là là. C'est une petite course. Merci pour le GG. Alors, où est-ce qu'il se passe le dernier tracé? Telle est la question. Ah, Tokyo. tac, je vais revenir un peu dans les réglages. Alors, je vais remettre la répartition d'avant. Je réfléchis, excusez-moi. Les stats, si tu y penses, c'est pas encore là. Il faut que je termine la course là et après, promis, je te montrerai parce que j'accéderai à mon garage. Il faut que je termine le championnat avant d'accéder à mon garage. Je fais celle-là de Tokyo et puis t'inquiète pas, juste un peu avant 20h, enfin, non, un peu après 20h, 20h et quelques minutes. Promis, promis, je te montre. Pas fini encore, une dernière course. Fait du plaisir. Surtout que Tokyo, j'aime bien le tracé. Je le maîtrise à peu près bien. Alors, c'est un tracé fictif dans le sens que il n'y a pas de course en plein Tokyo comme ça. Mais c'est là où on pourrait dire que c'est presque un tracé semi-fictif. Parce que les bâtiments et les rues existent vraiment dans Tokyo. Je rappelle que le centre du circuit, c'est un grand temple Shinto. Et en fait, c'est les équipes de Polyphonie Digital qui ont développé le simulateur, qui ont voulu modéliser leur quartier et s'amuser simplement à faire une course dans leur quartier. Parce que à chaque fois qu'on passe un ralenti sur cette course, à un moment, on a un plan sur l'immeuble. Polyphonie Digital, on voit où sont leurs locaux au cœur même du Tokyo.
Et ça, c'est un de mes rêves de vie. Un de mes grands rêves de vie, c'est d'aller un jour sur place pour de bon à Tokyo et de faire le tracé en vrai, mais à pied. Si j'arrive à réaliser ce rêve dans le futur, que j'ai le moyen d'avoir sur moi de quoi filmer, genre j'en ferai une vidéo que je déposerai dedans sur mon YouTube où je commenterai. Et ça c'est un rêve de vie, c'est tout con, c'est symbolique. L'idée de refaire à pied le parcours de Gran Turismo, grand fan de la saga que je suis. Ouais, attends, je vais dépasser. Non, j'aurais peut-être pas dû repasser le premier rapport là, faut pas déconner. Ouais, du coup, l'autre il me rattrape. J'ai pris un petit peu trop de largesse dans le freinage. Oh, les pneus sont froids. C'est pénible. L'effet verdure, c'est apaisant. Ouais, comme verdure. Ouais. Et encore, je l'ai calmé là, je l'ai réglé là. Parce que dans sa glace par défaut, tu voyais l'aiguille au compteur qui s'excitait comme une folle et je patinais dans les trois premiers rapports. Donc, du coup, j'ai décompressé au niveau de l'injection qui correspond à la réglage de l'accélération. Histoire que j'arrive à modérer l'accélération, que ce soit vraiment maîtrisé, que ce soit en adhérence pure et pas en patinage. Mais non, mais l'extra là, la tuture. Merde, j'ai mon nez qui me démange, excusez-moi. Voilà, j'arrête de freiner quand je suis en seconde. Parce que sinon on me retrouvait en première, pas déconner non plus. Ben. La première, idéalement, je m'encercle au départ de la course. Je n'ai pas arrêté. J'ai perdu mon père, con. Généralement, je passe bien la chicane et puis là, j'ai fait non. J'ai regardé ailleurs. Oula. Donc, il me tambourine. Un truc qui est pas du tout. Oh, la passe d'armes, on n'arrête pas de se dépasser mutuellement là. Un potentiel en dérapage énorme là, ouais, la Mazda. Ouais. Pour la canaliser et la rendre, on va dire, aux normes au niveau adhérence pour une course de grand tourisme, c'est pas évident. Mais son potentiel est énorme, elle est très agréable à piloter. Là, je prends mon pied, hein, je te le cache pas. La preuve, regarde le virage, je l'ai passé crème en dérapage. En montant sur la bordure, là, le museau est bien dégusté. Hop là!
Bah, ça fait pas les meilleurs chronos, ça dépend de la configuration que tu as tracée. Si tu as une configuration en lacet qui maîtrise bien tes dérapages, non, tu vas faire un bon chrono. Parce qu'une voiture qui passe ça entre les mains de manière propre, avec une adhérence conventionnelle, c'est pas dit que tu fasses un meilleur chrono avec la conventionnelle, on va dire. Quand tu maîtrises vraiment très bien les dérapages, normalement tu peux obtenir des résultats plus souples. Mais c'est vrai que c'est rare les tracés qui s'y prêtent. Mais bon, on l'a vu dans Colin McRae Burt, je le fais de temps en temps sur PS3. Comment dire, le réseau routier japonais est vraiment conçu pour le dérapage. Quand tu vois les routes sinueuses qui longent les montagnes, ça monte, ça descend, ça zigzague à tout va. Merde. En parlant de japonais, de dérapage, je repense à Genichiro, un ami que j'ai connu au passage dans ma ville, comme disait son ami d'études à l'étranger à Nancy. J'avais gardé contact avec lui, avec les réseaux sociaux, une phase de boucle. Là. Une fois, il m'avait fait rire parce qu'il avait déclaré qu'il avait vachement mal aux fessiers. Et puis je lui ai dit, mais qu'est-ce que t'as fait pour avoir mal au cul comme ça? Et en fait, il avait fait le foufou, il avait fait le rodéo dans son quartier toute la nuit en moto. Donc en fait, il s'est défoncé l'arrière-plan. Ah là là, ça peut être inutile. Hein. Sacré farceur. Non, bah tiens. Meilleur chrono au dernier tour. Voilà, on va y arriver. On va voir quelle voiture j'ai gagné. Je te montre mes stats, promis, le dire. Dans 2 minutes, tu vas le savoir. Alors, au final, ouais, derrière, il y a les Supra. Terrible. Eh ben, ça fait bien plaisir, ça. Ça, c'est du bon boulot. Alors, la voiture, j'ai gagné quoi? Allez, la Honda NSX en version... Ah, déjà la coupe. Avec la prime qui va avec. Yeah. Elle est belle, la coupe. Comme toujours. Allez, moi j'ai une Honda NSX de compète. Non, j'ai gagné la Nissan GT-R. Alors, reste à savoir si c'est la R33 ou la R34. Elle est bien aussi celle-là. Ah, on va peut-être faire mumuse avec durant les dernières heures, tiens. Alors, je vais tout de suite penser à changer l'huile de mon bolide, puisque là on a fait pas mal de kilomètres avec. Voilà, durant le championnat. La belle Mazda. Eh bien, m'aura rendu de fiers services la tuture. Allez, le garage et les stats. Non, merde, c'est la course. C'est à l'accueil. Tac, tac, tac. Statut du jeu. Voilà, je te laisse admirer. Ça me permet de reboire un coup. Oui. Non, mais la Skyline, elle est extraordinaire. D'ailleurs, voilà, c'est l'aboutissement de la lignée de la Skyline, ça a donné de la GTR. Hein. Dont d'ailleurs, le tableau de bord est numérique et c'est les ingénieurs, enfin les concepteurs de Gran Turismo qui ont pris l'interface tête haute du simulateur et qu'ils ont mis dans la Nissan GTR, sans déconner. Ils ont fait un copier-coller en fait. Donc quand vous êtes à bord d'une Nissan GT-R, vous avez l'interface de Gran Turismo en vrai. C'est juste énorme. Heureux fun fan. Les Japonais qui se rendent hommage. Voilà pour mes stats. On a déjà plus de 17 000 km au compteur. Ouais, mais plus du reste à faire. Hein. Comme après, il y a le super pro, puis j'ai pas déverrouillé en antenne le super permis. C'est dur. Ah, des raviolis! Ça fait une éternité que j'ai pas mangé de raviolis, moi.
Autant j'aime bien les pâtes, les variantes de pâtes, machin, les raviolis. Non, c'est des calédoniens que je me suis mangé il y a pas longtemps. Ah, quand la farce est bien, c'est un bonheur. Donc c'est quoi? C'est la R30. Il me dit pas. Je sais pas si c'est à base de R33 ou de R34. Je peux changer les roues. Ah, j'ai une belle collection. Oh, pas mal en bleu, en tout bleu. J'en ai pas d'autres en tout bleu. Ah non, en rouge, ça va faire moche. Oh, encore que. Bon, on a vu pire. Non, là, elle est moche, là. Non, tout bleu, c'est pas mal. Vas-y voir que je mette les pneus là. Ouais. Ça me plaît bien. Allez, on va l'optimiser et puis on va faire mumuse avec. Oui, attendez, pause. Je sauvegardais quand même ma progression, ma carrière, on sait jamais. C'est une question de principe. Ah, c'est à toi de finir les restes. Ah, ça fait fun fan. Merdoum. Alors, on va pouvoir la gonfler méchamment, je présume. D'ailleurs, non, je vais faire toutes les sections proprement, mais je pense que là, il n'y a rien à acheter puisqu'elle est, elle est optimisée. J'aurais juste à la gonfler au niveau moteur, quoi. Je rigole déjà. Rien que de voir étape numéro 4 direct. Oh! Je suis presque déçu, je la voyais plus proche des 1000 chevaux. Alors que rester à 878, mais bon, faut pas la déséquilibrer non plus, mais bon. Aïe aïe aïe. Ouais, je vais acheter des traits durs, ce serait mieux. Alors, ouais, non, il n'y a plus rien à faire. Alors, la question est, pour les 50 dernières minutes, dans quoi je m'engage, moi? Parce que Ligue Amateur, il y a encore des trucs à déverrouiller. Non, bah non, là, je peux plus, là, vu l'heure. Faudrait que je fasse des petits trucs, mais je sais pas lesquels. Bon, là, il faut avoir une bagnole américaine. Voilà, ça, c'est la classe. Ouais, ça c'est cool. Ah, mais c'est complètement pété parce que je vais avoir l'avantage forcément. Ah, Trial Mountain, tiens, on l'a pas fait. Pour le plaisir. Trial Mountain, on l'a pas fait depuis. Ou alors, je vais m'engager avec ces bagnoles-là, vous savez quoi, faire les petites courses dans la catégorie au-dessus, là, le tout dernier niveau hyper balèze. On fait celle-là en guise d'échauffement, histoire que je m'acclimate à la bagnole, sans faire de réglage. Après, j'essaie vraiment de décrocher les récompenses dans le niveau pro. Oh putain, oh la bite! Oh mon dieu! Oh là là, elle est magnifique, extraordinaire à piloter. Oh le pied. Et surtout que la Nissan Skyline, c'est une 4 roues motrices. Oh le pied. C'est un régal. Ah, c'est jouissif, sérieusement, sans déconner, c'est jouissif. Je dis oui!
Alors là, je m'imprègne de sensations enivrantes. Je me retrouvais, vous savez, tout à l'heure à table quand je dînais. Comme le barge interné dans Runaway, là, le jeu qui est en train de faire fun fact. Le gars qui se croit à bord de sa décapotable en train de rouler sur la route 66 américaine. Avec l'imagination, en gros, ça va être ça, moi, ce soir. Je vais rester à fond dedans dans mon ambiance, dans le tourisme, de bout en bout. Et encore, il n'y a pas d'usure des pneus et je suis en gomme très dure. Ça veut dire que j'ai quasiment une sensation de gomme froide. J'ai repris des très tendres. Je me ferai un truc parfait, quoi, sans déconner. Et encore là, je suis un truc de cochon parce que je tape sur les rebords. Mais en même temps, j'essaie de dompter la bête. La bête, elle est belle la bête. Aïe, y'a plus de doute, je suis dans la cour des grands. Je suis prêt pour le Mans. Alors on va voir ce que ça a donné dans le niveau au-dessus. J'ai mes propres pneus. Oui, continuez, pardon. Alors, effectivement, dans la Ligue Pro. Ah si, j'avais déjà fait des trucs. Ah merde, j'avais déjà remporté. Ah chiotte. Ah, je me souviens pas que j'avais déjà fait ça, crotte. Oh là 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 là. Ah bah si, j'avais... Même la spécialité. Ah, je me souvenais pas effectivement que j'avais autant avancé. Voilà, puis là c'est le permis S, le spécial en jaune. Et je l'ai pas, donc je peux pas m'engager là-dedans. Il faudra que je le débloque plus tard. Ah, qu'est-ce que je fais du coup? C'est pas une boxeur spirit là. Mais non, c'est pas un boxeur. Mais... Si je fais ça, il va me dire non. Bon, voilà, bon, en plus c'est pas les conditions. C'est quoi qu'il faut ici? Ah, une Porsche. J'ai la Porsche. Ouais, elle est partie. Oh, il n'y a pas beaucoup de bagnoles. Ou alors Subaru.
C'est Subaru contre Porsche en fait là. Attends, j'ai une Porsche, on va essayer. Je vais ranger la Nissan Skyline au garage en attendant. La roue, pardon. Elle est où ma petite Porsche? Voilà. Petite Porsche à 800 chevaux, ça va? Mon petit bonbon rose là, toute mimi en rose. Oh, elle aussi, elle va dépoter là. Allez, où la course boxeur, on se lance là-dedans. Boxer Spirit. Do the go. Ou à mon avis, en professionnel, ça va être 10 tours. La course va être longue. Alors, gestion des pneumatiques aussi. C'est ça, 10 tours. C'était sûr. Ah, j'ai une sœur jumelle, merde. Ah ouais, il y a 4 Porsche pour 2 Subaru, dis donc. Alors attendez, réglage. Parce qu'il faut que je vois dans quel état est la Porsche. Les pneus, c'est des quoi? Ah, c'est des moyens. Je pense que mettre des très durs serait une bonne idée. Hop là, je mets très dur. Oh la vache, oui. Mais. C'est de la Porsche de compète. Ça déconne zéro. Oh, le freinage, j'ai foutu les mâchoires. Ah non, pas à fond. Mais elles sont bien serrées. Je vais faire monter, chauffer à blanc les disques de frein. Bon, on va voir. Je ne me souviens plus du pilotage de la Porsche, mais non. On est là pour s'éclater. Pas contre le mur, idéalement. Mais... Allez, la petite Porsche. C'est petit. Oh, ça dépote. C'est violent. Ah, attends, faut que je tienne du tout. Hein. C'est pas tout de faire l'idiot. Mais... C'est-à-dire que ouais, c'est un préparateur en fait. C'est un préparateur dans le sens qui optimise les modèles de série pour en faire des modèles plus sport ou ayant une caractéristique particulière, être plus classe éventuellement. Alors ce qui m'a toujours fait marrer, c'est que nous en France, on s'est pas cassé. Tu regardes Renault, la branche préparateur, c'est Renault Sport. Ça n'a pas du tout un autre nom. Alors que beaucoup de constructeurs prennent un autre nom. Oh, ils m'ont poussé, c'est honteux. Attends, je vais essayer de me concentrer là parce que je suis une mise avec les gommes à froid. C'est ça, c'est des Porsche préparées. Merde. Oh là 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 là, je la maîtrise pas la Porsche. Elle est trop rigide, il faut que j'ouvre l'angle de braquage, je peux pas tourner avec. Pas comme je voudrais.
Non, elle tourne pas. Elle tourne pas, il faut que je fasse des réglages. Attends, je me désengage et je vais essayer de modifier sa config à la Porsche. Elle est beaucoup trop rigide, elle tire en ligne droite, ça va pas. J'ai beau m'acharner sur la direction, elle tire tout droit, donc c'est naze. Je peux rien tirer là. Je suis en train de me fourvoyer dans le menu. J'ai ça. Ouais. Alors, contrôle du différentiel de centre variable. Bon, ça, je vais peut-être pas toucher pour le moment. Ou alors, attends, traction. Stabilité, ouais, qui est trop. Je vais le désactiver, on va voir. Je vais garder la Porsche dans l'état naturel. Déjà, ça va peut-être m'aider au niveau de la direction. Ça va la décongestionner. Ça on veut le voir, non zéro, je vais laisser poison, ça mieux. Stabilisateur, j'avais mis un à l'avant, ouais c'est parce qu'elle était trop rigide je pense, on va voir, je vais tester. Donc, du coup on verra plus que l'indicateur jaune Alors, qu'est-ce que ça donne? C'est pas mieux. Là, je comprends pas. Je m'attendais avec une Porsche beaucoup plus réactive, et c'est pas le cas. Bizarre. J'ai les gommes froides, je suis d'accord, mais quand même. Me fait n'importe. Alors, je vais arrêter le massacre avec la Porsche, je vais la laisser au garage. Et je vais prendre ma Subaru Impreza prototype Pralica. Où là, je sais que j'aurai beaucoup plus de répondants. Parce que là, je vais m'agacer, me frustrer. Et mentalement, je peux pas rester concentré du tout avec une bagnole pareille. La frustration va prendre le dessus. Autant pas gâcher le plaisir. Ah oui, j'ai dit Impreza, c'est dans les i, pardon. Là. La Rally Car Proto, je pense que ce sera la meilleure. Gonflé à un peu plus de 500 chevaux. Oui, c'est ça. La Porsche, toujours énorme potentiel Porsche, mais il faut que je trouve le truc qui va pas dans le réglage. Et puis là, vu l'heure. C'est le genre de truc, il faudra que je fasse hors antenne. Oui, donc on avait dit pro, on avait dit que c'était les boxeurs. Boxer Spirit. Je vais pas toucher au réglage à une exception près, c'est les gommes, le train de pneus. Juste voir si je vais mettre le train de pneus endurant. Et voilà, donc si je change une pièce, c'est ça.
Ah bah c'est ça, j'ai les... Ah non, j'ai vraiment les traitants, non ça va pas. Donc je mettais très dur. Alors là, c'est un bug, hein, je rappelle, dans Gran Turismo 3. Quand vous prenez très dur, ça affiche quand même très tendre. Ce qui fait une grande confusion. Parce que si je prends un train de pneus super tendre, je vais au stand tous les deux tours. C'est pas rentable. Voilà. La version prototype de la Subaru Rally. Là, normalement, je devrais me défendre. J'avais pas forcément les vitesses de pointe, mais au niveau pilotage, ce sera classe. J'ai la Porsche qui prend les devants parce qu'elle a une meilleure motorisation. Moi, je répondrai par un meilleur châssis. Voilà, elle fait comme moi, vous voyez? Elle chasse sur le côté. Parce qu'elle est trop lourde. Oui, non, bah là, on y voit forcément la Porsche, c'est la rue. Alors si je suis régulier, donc je perds pas trop de temps par rapport au fait que la Porsche va rentrer une, voire peut-être deux fois au stand. Faut que je m'accroche, on va voir. Il y a du suspense quand même. Oh là, après il faudrait que je mette ma lumière intérieure là parce que la luminosité dans ma pièce commence à me flinguer les yeux. Oula. Donc il me capitalise. La Porsche me prend mieux le coup. Ah,
Moi je sais déjà la couleur de mon train de pneus que j'aurais pas besoin de mon storm. Mais je fais vraiment la les 10 tours avec le bandeur. Ça se passerait bien. C'est trop rapide, mais... Voilà, je me ferme bien la porte. Quand on passe la porte, c'est long. Je suis surpris que la Porsche soit toujours pas en France là. Moi ça fait grignote suffisamment de temps pour peut-être pas passer devant moi, rester devant moi en faisant des stands, mais elle pourra m'attraper. Ah j'ai peut-être plus l'année à rester second. Là. Et à la fin de la course, non seulement je vais fermer mes relais et mettre la lumière artificielle, mais je vais aller chercher dans mon frigo mon casse-croûte du soir, il me reste deux potes dessus, et je ne voudrais pas le manger trop froid. Donc ce sera le tour de fan de prendre l'antenne. Merdoum! Je vais me faire avoir par la Porsche.
Parce que 20 secondes, elle n'est pas rentrée au stand. Moi, là, je prends le pneu qui peut partir avec à la mort, je sais pas vraiment. Oh la merde là. Possible. C'est moi qui ai loupé le coche ou la Porsche n'est jamais rentrée au stand? Ah non, d'accord. Elle est devant moi à 5 secondes. Ok. Non, non, mais elle a suffisamment creusé l'écart pour sortir de mon mort. C'est jouable, mais c'est pas évident, c'est-à-dire qu'il faut que je profite du pilotage pour la battre. C'est bien de... Ah, le 8ème tour est plus rapide. C'est la RGP qui m'a foutu la patate. Ok. Moi je n'ai pas la RGP, je crois pas. C'est la CTR2 que j'ai. On ne peut. Alors c'est bien, on met ce temps de lumière, chercher mon casse-croûte pour qu'il se mette à température, j'arrive.
vous pouvez disposer et aller couler un bronze dans votre couvre-chef. Ah, j'aurais presque pu. J'aurais presque pu faire ça. Mais non. Ah, je suis bien. Ah. La RJT. Ah, qu'est-ce que je fais? Je m'achète la RJT et j'y retourne. Attends, on est bien d'accord. C'est pas... C'est pas la RJT que j'ai. Non, oui, c'est la CTR2. Vas-y voir que j'aille l'acheter. Tac, voilà la RGT et la CTR2. C'est la RGT qui m'a battu. Ah, alors, les couleurs. Là, il y a encore le rose bonbon. Oh, un joli jaune. Joli jaune citron. Vous voyez que je la pilote. Alors, je l'améliore à deux. Soyons fous. Je peux faire atmosphérique ou... Ah oui. Oui, mais en boxeur, il faut trouver ça. Ah oui, 800 chevaux, ça dépète. Donc attendez. J'en étais où? Atmosphérique, elle serait montée à 500. Là, je suis gentil. Ah ouais, elle monte à 1000. Oh la vache. Elle monte à 1000. Non, ça je l'ai fait. Oh là, j'arrive plus à suivre la triple disque. Alors, est-ce que je vais avoir le même problème avec l'autre Porsche? C'est de me rendre compte qu'elle tournait pas. Soupir. Je prendrai les trains de pneus à la fin. Hop, je l'ai déjà mort. Bling. Allez, c'est bien. Nice. Ok. Alors, les pneus, c'est bon. C'est le dernier truc à acheter, on y croit. Mais bon, je prends juste des très durs. Comme ça, c'est réglé. Non, je me trompe, je me disais, il y a un truc qui va bien. Alors, est-ce qu'elle va revenir la sœur jumelle ou pas? C'est être rigolo. Oui, elle revient. Mais c'est marrant, il y a toujours 4 Porsche pour 2... Bon, bref. 2 Subaru. Allez-y. Ah, c'est bien, je fais la course là, puis après on va chez Fun Fan pour la suite de l'année. C'est bien.
C'est chien pour chien, plaisir. N'importe quoi là, pour les perches. C'est plus une course de stop-car qu'autre chose. J'ai du mal à connaître la coach. Là, par contre, j'ai hâte tellement avec la Porsche, les mesures des pneus, je me demande si je prends le stand ou 5 pneus à Nico. C'est la violence. Ah, c'est vraiment dur hein, de tourner avec les Porsche. Elles ont un angle de braquage fermé, je trouve. Bonsoir Dragon Sky. Non mais je ne suis pas désolé pour ça. C'est très gentil à toi de venir faire un petit coucou. J'espère que tu vas bien Dragon Sky. On va se retrouver chez l'ami Fun Fan pour du Renault 3. Et pour le coup ça a une autre ambiance. Fini boum boum. Mince, je lis une scène et ça me défonce.
Merde. Qu'est-ce que je mange à l'intérieur de la bagnole? Je n'ai pas compris. Oh mon Dieu! Il se passe quelque chose. Attendez, pardon, je suis en plein pilotage. De toute façon, j'ai eu l'alerte qui vient de me stopper. Oh, merci Christella, bonsoir, c'est adorable. Oula. Bon, l'alerte n'a pas tardé à tomber. Message de FunFan 1992, bonsoir et bienvenue à la communauté de Christella. Le rêve serait que l'alerte tombe pendant mon arrivée au stand. Mais à mon avis, la synchro va pas être parfaite. Oui, t'as fini. C'est un relais de chaîne. Merci. J'espère que mon contenu et mon propos vous plairont. En tout cas, soyez les bienvenus. Bienvenue. J'arrive à rentrer au stand. Ouais, bien. Ouais, t'étais sur Serious Sam 4, je sais que tu veux le finir, comme j'étais venu te voir, Christella, hier. Et t'étais sur Alien Isolation. Ça va, ça s'est bien passé? T'as réussi à boucler le jeu? Tu me diras, je me laisse surprendre, 21h, waouh! T'en aurais pas bavé sur le boss final par hasard? Que je remate avec joie ta rediff. Ouais, t'en as bavé. Eh ben, GG à toi, c'est bien, faudra que je regarde ça. Je me laisse trahir par les lames froides. La belle pop Porsche que je pilote. Ah, merde. Déjà qu'en temps normal, réussir à tourner avec la Porsche, c'est pas évident, mais alors franchement, les gouttes froides, c'est un cauchemar. Merci toute la Christella, c'est adorable. Je vais essayer de survivre ma course. C'est tout là, on voit que c'est devenu très nerveux avec le bolide. Alors, il était 10 secondes devant moi, mais. Il n'est pas rentré au stade. C'est un grand avantage. Non, je n'ai pas de premier rapport. Mais... On ne rentre pas dans l'univers. Vu sa trajectoire. Ah oui, elle est bien devant l'autre. Pardon, je vous lirai après, hein, vous l'aurez compris. Là, je reste concentré pour la fin de la course. En plus, au niveau horaire, ce sera pile poil avec une femme, nickel. La transition se passe sur un bon ralenti.
Devant moi la regarde autour. Ah, un petit peu plus de 5 secondes. Ah, ça y est, je l'ai vu. J'ai mon principal adversaire à vue, ça sent bon à l'avant-dernier tour. Suspense. J'ai un peu trop accéléré là, oui, là. Ah, il va au stand. Victoire est mienne, il ne me reste plus qu'un tour. Faut pas que je fasse l'idiot. Ah, là, je peux me promener. Oui, t'es loin derrière. Oh, là, ils sont même pas sur la ligne d'arrivée. Ils sont même pas sur la ligne de droite. C'est bon ça. Là par contre le ralenti, je vais me faire une joie de me le garder. Même si je reconnais que j'étais un peu brouillon dans certains tours, le ralenti il va être joli. Allez, mille papillons, excusez-moi, je vous lirai à l'arrivée, vous en faites pas. Le temps de faire le relais de chaîne. Message de FunFan1992, @ Christella nous quitte. Ah, bonne soirée, pardon Christella, merci pour tout, merci, bisous tout plein. Merci. Oui, bonne soirée, oui, je pense que oui, du coup, tu t'es fait avoir au niveau horaire, tu t'attendais pas du tout aussi longtemps, avec le boss final de Serious Sam 4 qui te tenait tête. Ouais, bonne app, merci, bonne soirée à toi aussi Christella, à plus. Alors, oula, vous avez tellement écrit que pour reprendre où j'en étais, je sais plus. Ok, oui, c'est bien vous donner des astuces de, ouais, de jeu gratos. Ok. Ok, ouais, c'est bien, vous parlez actualité et jeux vidéo. Ah oui,
Mon dieu, vite d'information de l'équipe. Aïe aïe aïe. Pas grave, on a compris. Alors, mon cher Fun Fan, merci à vous toutes et toutes d'avoir été là. Mais apparemment, t'as pas encore lancé ton signal. Oh mon dieu! Hop là. Bon, là, je prépare le raid. J'attends que tu lances la commande. Oui, c'est mieux qu'un tel à crever. Oui, on aura compris. Ne te vexe pas pour si peu. Wouh! Oh, cette journée Gran Turismo 3, j'ai pas boudé mon plaisir. Merci à ceux qui étaient présents. Je sais qu'à la longue, c'est barbant, c'est particulier comme discipline. Le sport automobile, surtout quand c'est simulateur, endurant et carré rétro. Enfin, carré, oui, j'ai dit rétro. oui, là, c'est plus là. Je vais lancer mon stream à tout de suite pour ceux qui suivent le raid. Pour les autres, je vous souhaite une bonne fin de semaine. Mesdames et messieurs, voici votre programme. Voilà, donc merci à vous toutes et toutes d'avoir été là. Moi, je me serais éclaté, je pense, ce jour férié. Ça m'a fait un bien fou de faire du Gran Turismo 3, alors que Fun Fan m'appelle déjà sur Twitch, sur Discord, oh mon dieu. Oh. Voilà, le relais de chaîne va se faire. Tac, tac, tac. Bah, du coup, on a un croisement de flux et de sons. C'est la folie. Ah, moi, j'ai coupé sur ton live pour pas que ça s'entende. Ah, oui, on double. Oui, ouais. Une minute. Attends, je te dis. Quand... Bah, de toute façon, tu auras l'info quand la bascule va se faire. Ah, ben, bien de toute façon, tu auras le message avec Wisebot sur le ton chat. Bien sûr, bien sûr. Voilà, c'est une question de une minute, quoi. Merci Christella pour le relais de chaîne. Et voilà, je pense que j'ai pas occupé d'événements spéciaux. C'était relativement calme. De toute façon, on est un grand week-end pont, donc j'allais dire la moitié des spectateurs se sont barrés en vacances à Peter Schnock et sont pas devant leurs écrans. Je la remercie aussi parce qu'indirectement, j'ai bénéficié d'ici. Ils n'ont pas eu assez de temps pour partir. Oui, mais encore merci David Olive pour le distinguer. Ce matin, il m'a fait un relais de chaîne. Et puis, Dame Myriam, qui avait fait acte de fidélité, qui est la compagne de Nounours, qu'on embrasse. Allez, c'est parti. Bonsoir à tous et bienvenue. Alors, il y a une histoire d'un raid qui va d'un raid, qui va d'un raid et qui revient sur un raid. Je vous explique. Tout à l'heure, cet après-midi, j'ai fait un raid à Christella, qui a fait un raid à Nancy. Et le sage de Nancy m'a fait un raid à moi, donc la boucle est bouclée comme ça.